Catalogne a accueilli un très grand nombre d'enfants réfugiés. Mais elle ne se contente pas de les accueillir. Elle tient aussi à coopérer à leur éducation. Dans ce but, elle a créé un certain nombre de centres éducatifs où les enfants reçoivent une instruction qui leur sera des plus profitables lorsque la paix sera revenue. Cette année, la pomme de terre est particulièrement abondante. Celle de la région catalane est une des espèces les plus recherchées. La récolte tant attendue de ce produit de première nécessité, qui a lieu actuellement, satisfera largement aux besoins du pays. Elche, dans la province d'Alicante, est une ville renommée pour ses palmiers et les dattes que ceux-ci produisent. La récolte de ces fruits délicieux exige une rare habileté. Cette année, ces dattes porteront au monde, en même temps que leur saveur, un salut de l'Espagne héroïque. La duchesse d'Atholl, dame de la haute société anglaise, présidente du comité d'aide anglais à l'Espagne républicaine, rend visite à son passage à Barcelone au président de la généralité, Louis Companys. On a inauguré récemment à Alcoy, dans la province d'Alicante, en présence du ministre d'État, Álvarez del Valle, un hôpital suédois. C'est une preuve de plus de la sympathie témoignée par les pays scandinaves envers l'Espagne républicaine. Héroïsme. Systématiquement la population civile, Madrid a désigné un nouveau conseil municipal. Un groupe d'hommes jeunes, appartenant à différents partis du Front populaire, prend la direction de tout ce qui intéresse la municipalité de la capitale républicaine, qui démontre ainsi son esprit d'organisation.